Jean-Pierre. T'entends autant que ça demande ? Non, bah, rien. Ah, ça va, et vous ? Lui, il a des choses à dire. Bah, oui, bah, c'est normal. Il est possible, en apportant des souvenirs, de co-écrire l'histoire de la maison de quartier. Bon, je ne sais pas s'il faut hiérarchiser. Il faut pas hiérarchiser. Jacques, t'es arrivé quand, toi ? 70, janvier 77. Mais vous, décembre 77. Et nous, en 76. Août 76. Oui, voilà, 77. Ma fille faisait du sport sur l'estade de la Bélangerie, qui à l'époque était un champ. C'était les cadets de Bretagne qui tenaient ça, qui tenaient Fauché. Et moi, j'étais en location et il y a eu les petits immeubles qui sont construits devant le stade là, à cette époque-là. On a dit, bah, tiens, lieu d'être en location, ça montait. J'ai acheté sur plan là, puis voilà, en 76, j'ai aménagé. On voulait quitter Bijan et puis on a surveillé tout ce qui se faisait autour de la reine. Et puis voilà, on a acheté sur plan, on n'avait rien vu du tout. Donc on a acheté sur plan aussi en 75. Une petite maison, donc à l'aide de Port-Louis. Arrivé, on n'avait pas d'électricité et on n'avait pas d'eau. Et donc on est arrivé avec nos camions de déménagement, dans la boue, tout ça. On était plusieurs mamans avec des très jeunes enfants. Et avec nos camping-gaz, on faisait chauffer l'eau pour les biberons de nos enfants au mois de novembre 77. Et on mettait des bottes pour quand on allait en ville, on prenait le gain des bottes tellement c'était ça tout autour de la maison. Parce qu'on était jeunes, Même tranche d'âge, même problème. Et c'est vrai que l'arrivée en hiver ou début d'année, en février, on a commencé à connaître nos voisins qu'à juin, juillet, là où les enfants ont commencé à sortir. Et où donc, ça y est. Il y avait les écoles qui nous regroupaient aussi, les sorties d'école et tout ça. Non, moi, je pense qu'à l'époque, c'était encore dans les Trente Glorieuses. On était à la fin des Trente Glorieuses. Donc, il y avait une mentalité, un état d'esprit qui n'est pas celui d'aujourd'hui, évidemment. On communiquait. Alors, c'est vrai que les enfants nous ont regroupés, mais nous, en tant que jeunes parents, on a eu aussi le besoin de se retrouver dans un endroit. Et c'est là où la question de la maison de quartier s'est posée. Dès 78, dans ma rue, moi, on a senti le besoin de créer une maison de quartier. Donc il y a eu une bagarre. Dès 78, on s'est mobilisé pour ça. Et ça a été très très difficile, assez difficile au départ, parce que la mairie ne souhaitait pas créer une maison de quartier. Les maisons de quartier ont un rayon d'attraction géographique extrêmement faible. Dans un quartier fortement urbanisé, l'avenir me semble passer par un éclatement à partir des maisons existantes, de l'ensemble des activités sur des micro-équipements, les interventions étant non permanentes et liées à des projets particuliers. Voilà. Enquête élaborée par le comité provisoire d'usagers près du centre commercial, actuellement en construction. Des logos collectifs vont être mis à la disposition des habitants du quartier. L'usage de ces locaux n'est pas encore défini. Jusqu'à présent, il existe un désaccord entre le comité provisoire d'usagers qui s'est constitué et la municipalité. Et que demande le comité ? Une maison de quartier et une animation avec un accueil permanent. Et ça, il a fallu se battre aussi parce que avant 1981, puisque la maison de quartier a été inaugurée en octobre 82, je crois, 82, même plus bien, il n'était pas question d'avoir un permanent. Et nous, on ne voulait pas de vacations, on voulait quelqu'un qui puisse accueillir tous les gens du quartier immédiatement. Je m'appelle Ruben Prunera et j'ai eu le plaisir de passer 25 ans, c'est-à-dire un quart de siècle dans cette maison, d'arriver un an après l'ouverture, donc presque à sa naissance, et ma foi, pas de grandir avec elle, mais de l'aider à grandir. C'est-à-dire que ce quartier-là, c'est un quartier qui est un quartier assez récent de Rennes. Et quand la maison de quartier s'est ouverte en 1982, il était à sa première phase d'évolution. Puis après, il y a eu deux, trois, même c'est la quatrième d'ailleurs, phase d'évolution. Et la maison de quartier a suivi cette évolution, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à fait naturellement. Ça a été un outil formidable pour permettre aux habitants du quartier de trouver un lieu de rencontre, un lieu de partage, une valorisation de multiples activités et aussi un lieu d'identification. Et d'identification au quartier, entre autres, cet espace de vie qui est notre quotidien et qui, après, pour les gamins, l'école, la famille, la maison, c'est le troisième lieu collectif
de partage. Mais la maison de quartier avec le centre commercial et permet de fédérer les gens du quartier quand même. Parce que je disais, ça fait l'air. Moi je dis qu'elle permet même de délimiter le quartier. Parce qu'on dépend de la maison de quartier. Si on est de l'autre côté, c'est qu'on dépend d'une autre maison de quartier ou d'une autre structure. Alors il y a ceux qui viennent pour consommer une activité, ça c'est d'accord, mais il n'empêche que le centre commercial plus la maison de quartier, ça joue un peu le rôle. Ça crée une espèce de petit village dans la ville. De bourg dans la ville. Il n'y a pas de mairie, de quartier vraiment. Donc c'est un aspect de la maison de quartier, mais c'est un aspect qui existe. Je crois que tous, ou presque tous, on est réunis autour de cette table. On ne se connaissait pas beaucoup avant, on se connaît tous. Il y a quand même eu beaucoup, grâce à la maison de quartier, beaucoup de relations d'amitié. Beaucoup, beaucoup. On se promène sur le centre commercial ou dans le quartier. Moi, il m'arrive souvent de venir chercher ma baguette en partant à 10h. J'arrive à midi à la maison. Et mon épouse, je dis tiens, il a dû rencontrer quelqu'un. On avait un rôle de coordinateur, mais en général, on entraînait les troupes avec nous. Les foules, ça s'est fait naturellement. Quand on allait voir Gabillard, Anne Cognier, tout ça, on n'avait pas de mal à recruter du monde. Comment ? Non, souvent, c'était ma mère qui venait vers nous. Voilà, c'est ça. Le souhait était aussi que les quartiers se structurent, pour avoir des interlocuteurs bien identifiés. Et puis qu'on construise ensemble ce qu'on souhaitait. Il y a eu une réciprocité, je pense. Donc le rôle d'un conseiller municipal, d'un élu de quartier, c'est de faire la relation entre la population et la municipalité, d'être cette courroie de transmission à la fois montante, d'accompagner les initiatives, favoriser les initiatives des habitants, et à la fois descendant en faisant de l'information, en essayant de concerter sur un certain nombre de projets que la municipalité peut avoir sur le quartier. Et de faire en sorte que l'action publique menée par la municipalité s'enrichisse de la vie des populations. Mais il faut aussi construire avec ces individualités, avec cette population, une vie collective. Et ce qui fait la vie d'un quartier, c'est aussi la façon dont on arrive à faire en sorte que la population travaille, vit des activités entre elles. Et c'est tout le rôle de la maison de quartier d'agir aussi sur des valeurs d'éducation populaire, c'est-à-dire de permettre à chacun, quels que soient ses revenus, de pouvoir accéder à la culture, aux loisirs, au sport. On est souvent assimilé à un équipement municipal et aujourd'hui, de par le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange, de par les valeurs qu'on partage communes autour du vivre ensemble, de la convivialité et citoyenneté, il est important de mettre un peu plus à nu cette affiliation qui est la base de nos valeurs et de notre projet du quotidien et sur lequel repose notre projet associatif. Alors Léo Lagrange, je peux vous dire comment ça a été choisi aussi. J'ai aussi des renseignements. Il y avait 3 fédérations qui ont été contactées et finalement c'est Léo Lagrange qui a été choisi parce qu'il s'occupait de tout. Et on avait exigé, c'était quand même quelque chose d'assez particulier, on avait exigé que l'on puisse, s'il y avait incompatibilité entre l'animateur et le CA, qu'on puisse effectivement éventuellement le changer. Les implantations de ce type étaient en général des patronages en Bretagne, quoi. Ouais. Enfin, ça c'est l'histoire, quoi. Et puis ça s'est un peu laïcisé au fil du temps et des locaux ont été rachetés. Oui, il y avait les par la ville de Rennes, à l'évêché. Si ça a demandé du temps, d'ailleurs. La première heure. Âgée du 15 septembre 82. Première assemblée générale. C'est la deuxième. Là. Non, première. 120, ouais, on participait à la première assemblée générale de la maison de quartier. Dès le dernier trimestre de 1982, c'est-à-dire le trimestre où on inaugure la maison de quartier, on réalise déjà un petit journal. Qui s'appelle La Feuille de l'Île, et là, ce petit journal, eh bien, on a déjà les activités qui sont proposées et qui fonctionnent, avec les dates, les heures, etc. Couture. Chacun apportait ce qu'il avait envie de faire. Et sa machine à coudre. Et la prof, on lui disait, on veut faire ça. Donc, voilà, on faisait. Voilà. Ça, c'était la bonne bibliothèque. La bibliothèque Stéphane. Ferme les yeux. C'était une bibliothèque qui était tenue par les bénévoles, d'ailleurs, ouais, à l'époque. Ouais. Du jeudi, ça s'en dit, toi. Les gens, combien de fois, ils nous disent surtout, ne fermez pas ici, parce que s'y plaît beaucoup. Et ils viennent, et il y en a qui viennent, certains mois, rien que pour ne pas que ça ferme. Si je viens, parce que je ne veux pas que Parce que ça s'appelle la solidarité. Voilà. 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 Voilà.
Moi, j'ai rien dit, c'est pas moi qui m'a dit. Non, mais attendez, non. Et t'es où, là, Jacques? Vous êtes où, là, les gars? Il faut voir que le monstre n'est pas construit. Non, non. Mais les terrains ne sont pas tracés encore, ça c'est... Non, c'était bien avant. Et de l'archaïque, là. On a commencé sur le terrain, on a commencé à 4 personnes. On jouait sur le parking. Et au fur et à mesure, le club s'est agrandi. Et on est arrivé, ces derniers temps, jusqu'à 80 personnes. Et au fur et à mesure, il a fallu modifier les installations. Ça a fait un peu de bruit au conseil de quartier, puisque régulièrement, on revenait sur le tapis la construction du terrain de boule, l'aménagement du terrain de boule, et surtout la création d'un abri du terrain de boule. Tout ça, c'est fait maintenant. On ne parle plus du terrain de boule. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du terrain de boule, j'ai ironie, excusez-moi, au terrain de boule. Non, Jacques, vous savez... J'y reviens, parce que je vais encore revenir au club de boule. Il y a quand même au club de boule quelques jeunes retraités. Tiens, il y avait un manège, Ah, il y avait les auto-tamponneuses aussi. C'était vraiment... C'était sur le parking, ça. Et tout le monde attendait ça, la fête Ça a duré au tout départ, quand ça s'est agrandi au fur et à mesure, ça a duré sur 11 ou 12 jours. Ah, moi, je trouve qu'avant, c'était mieux quand même, que maintenant. Parce qu'on nous confiait, on était toute une équipe, on nous confiait l'apéritif du midi. On pensait si c'était bien. Les vélos fleuris. Mais donc, on faisait le tour du quartier avec... Oh là là, je ne l'ai pas, moi, cette photo. Ouais. Alors, le matin, on décorait les vélos avec fleurs en crépon et tout. Oui, il y avait les lampions, Alors ça, c'était quelque chose d'exceptionnel, la retraite au flambeau. On faisait le feu de la Saint-Jean. Ouais, les enfants partaient de la maison de quartier, faisaient le tour du quartier avec leurs flambeaux. Et arrivaient devant le feu de la Saint-Jean, tout contents, tout heureux. Et ils attendaient le feu d'artifice. Ça se faisait vers 11h, et après, les enfants partaient et le bal commençait. Ah ouais, super. Non, c'était pour les enfants, c'était formidable. Là, c'était Frédéric, toujours en juillet. Il y avait des vélos, alors. On est Ramon, Il y a Gabillard à droite. Là. Où? Tout à fait à droite. Ah oui, Martial. C'est pas Lera. Jacob, qui était venu. Non, c'est Jacob, là. Qui a les bras croisés. Le marchand de vélo entre Et le maçon de vélo. Ah, bah oui, Beauté. Ah oui, Beauté, oui. Monsieur Beauté. Ah oui. Les premières colonies de vacances. C'était. Alors, donc, à l'époque, on n'était pas contrôlé par Jeunesse et Sport. Donc, on pouvait se permettre de faire certaines choses. Et donc, on partait avec 40 gamins. Et on avait une douche. Une douche pour 40. Horrible. Mais il fallait quand même bien laver tout le monde. Alors pendant que les enfants étaient à la plage, on avait des tuyaux d'arrosage. Et puis on les mettait à chauffer dehors. Et puis quand les enfants arrivaient, on douchait tout le monde comme On serait accusé de maltraitance. Si alors aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et alors on partait avec les enfants de Morpa. C'était une mixité sociale. À l'époque, c'était déjà intéressant, quoi. Mais les enfants, ils s'en souviennent, ils ont des souvenirs extraordinaires, quoi, de ces camps. Et d'ailleurs, là, après, les enfants disaient, bah oui, mais avec vous, c'était mieux. On a organisé un voyage en Roumanie avec des jeunes du quartier, des adultes du quartier. C'était quand même assez bien, puis de pouvoir recevoir tous ces gens venant de Roumanie qui étaient extrêmement surpris en découvrant notre vie à nous. Dans le cadre d'un échange et puis de jumelage de ce quartier-là avec le quartier de Sibiu, on a reçu les Roumains, le car est arrivé sur le parvis de ce centre commercial. Nous avions mis des drapeaux roumains et français sur tous les arbres et on les accueillit avec des brassées de confettis. Pour eux, c'était la première fois qu'ils sortaient de leur pays et pour nous, c'est la première fois qu'on recevait des gens qui venaient au-delà du rideau de fer. Le quartier a été très sollicité pour accueillir les familles. Tout le monde a vu ici des gens pleurer quand on les amenait voir un centre commercial, par exemple, parce qu'il y avait une profusion de nourriture et autres. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et on est allé peu de temps après Ceausescu et on avait monté un semi-remorque complet rempli de livres et de matériel. Il y avait même un cabinet dentaire à l'intérieur et on a livré ça en Roumanie quand même. Ça a été une expérience extraordinaire, ça. Et il ne faudrait quand même pas oublier qu'il y avait un conseil de jeunes de quartier qui a été créé
Et donc ça, c'est intéressant. Il y avait des élections, il y avait, c'était une éducation à la citoyenneté, c'était quand même très bien. Ils sont allés visiter l'Assemblée nationale, reçus par Edmond Lévé. On a mangé dans l'Assemblée nationale. On a été bien sûr reçus aussi à la mairie de Rennes. Et ils étaient obligés d'élaborer un petit programme, hein, déjà pour se présenter. Dès le départ, on a eu à se poser la question, c'est comment faire rentrer les jeunes dans la maison de quartier. Et je pense que le problème est toujours le même, parce qu'on est souvent un peu trop des adultes à fréquenter la maison de quartier. Et ça, ça a été une bagarre, on n'était pas, réussi. La pierre d'achoppement de notre qualité de vie, c'est la maison de quartier. Parce que ces gens-là, ils s'investissent beaucoup chez les jeunes. Beaucoup. Et on voit bien qu'ils réussissent quand même... bon an, mal an, à les maintenir. C'est pas toujours facile, mais ils font un travail énorme. On a un centre de loisirs jeunesse, avec des accueils informels, des projets autour de la jeunesse sur les 10-17 ans. Et les enfants ? On a un public enfant autour du centre de loisirs et des activités socio-culturelles, donc on essaie d'avoir un projet global sur l'enfance. Le centre de loisirs est ouvert mercredi et les vacances scolaires. Donc les ateliers socioculturels, on peut mettre des briques, des activités d'expression corporelle. Des activités musicales. C'est ça. Et là, tu remontes. Activités de bénévolat, mais je voudrais aussi qu'on parle des gens qui travaillent ici, ouais. Qui sont professionnels à la maison de quartier. Ils ne sont pas que professionnels, ils habitent entre guillemets la maison de quartier aussi. Et je voulais leur tirer un petit hommage. Il y a une équipe très dynamique de professionnels, et c'est eux qui font avancer, hein, c'est sûr. C'est sûr, mais sans eux, la maison ne serait pas la même. Hein. Voilà. Même nous, en tant qu'administrateurs, on ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas l'équipe de professionnels derrière. Je définis souvent la maison de quartier comme une boîte à outils à disposition des habitants. Mais c'est une boîte à outils un peu complexe, donc il y a une notice et on a des règles à faire respecter et on a des contraintes qui nous limitent dans nos champs d'action, même si on essaie de les ouvrir le plus largement possible. Cette maison n'a pu évoluer que parce que les habitants l'ont fait évoluer. Voilà, on n'a pas appuyé sur un bouton. Et ça, c'est venu naturellement, tranquillement. Et ça a été une expérience très intéressante de voir que on était tous vraiment très 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 accrochés pour que la chose qu'on voulait arrive. La maison de quartier, c'était un peu mon bébé parce que je l'ai vu naître et puis je l'ai vu grandir et j'ai toujours été là pour que ça continue et que ça ne s'arrête pas. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des personnes qui s'impliquent. Je suis là pour des raisons un petit peu
un petit peu personnelle et familiale au départ, mais finalement, ces raisons ont un petit peu disparu, et puis alors, ça remplace un engagement, finalement, qui pourrait être un engagement un peu politique, que de s'occuper de la vie de la cité, et du mieux-être, et de l'engagement des uns et des autres. C'est une maison de quartier assez transgénérationnelle, avec les futures générations qui reprendront le relais dans quelques années, et qui passeront aux 40, 50, 60 ans, et ils seront peut-être encore là, quoi. Je suis assez fière de participer et de fêter les 30 ans de la maison de quartier. Donc je souhaite un bon anniversaire à la maison de quartier, puisque quand j'y réfléchis, je me dis que j'étais encore dans mes couches quand cette maison de quartier est née, et qu'aujourd'hui, j'espère du mieux que je peux contribuer au fait qu'elle soit toujours présente et qu'elle soit un maillon important du quartier et de la vie socioculturelle et associative du quartier. L'idée, c'est qu'elle ait, sur les 30 prochaines années, autant de projets qu'elle a pu dérouler et que vous pourrez avoir l'occasion de voir sur cette rétrospective des 30 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Remercier l'ensemble des acteurs de ces 30 ans, qu'ils soient bénévoles, bien évidemment, l'équipe de la maison de quartier, et puis les élus et l'élu qui m'a précédé dans l'activité d'élu de quartier, remercier chacun de leurs investissements et leur dire qu'il nous reste beaucoup de choses encore à construire, et donc longue vie à cette maison de quartier. Et comme on dit en catalan, parce que je suis d'origine catalane, per molts anys, ça veut dire qu'on souhaite beaucoup d'années encore, et c'est ce que je souhaite à cette maison. Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire. À la maison de quartier.